de Cagnard et le premier visite dans cette sous-préfecture de l'hiver, grâce à au maire de la ville de Vienne, responsable des sports, Monsieur Guéfi, c'est une vraie fête ce soir à Vienne. Oui, nous sommes très contents de pouvoir accueillir beaucoup de monde sur ce circuit de la sous-préfecture. Et il me souvient ce soir, cette période où nous nous sommes rencontrés avec Monsieur Cluis et Monsieur Delfis il y a quelques mois de cela, et où nous avions pris ce pari de réunir plus de 10 000 personnes sur Vienne avec les plus grands champions du cyclisme. Je crois que ceci est un pari qui a été gagné et nous nous attendons à avoir un très beau spectacle. Merci, merci Monsieur Guéfier de tous ces encouragements. Jean-Claude, un autre invité qui nous rejoint, il s'agit de Monsieur Gréyer Marel, président du comité Dauphiné-Savoie de cyclisme et vice-président de la Fédération française de cyclisme. Monsieur Gréyer Marel, qui est venu rejoindre lui aussi ses amis de la Roudor viennoise. La Roudor viennoise qui met sur pied ce critérium. Madame Aubert, je crois, est à la fête ce soir. Et je crois qu'elle aussi aura bien mérité de vous, Monsieur Gréyer Marel, qui remet donc toutes les félicitations à Madame Aubert. Monsieur Gréyer Marel, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons ce soir à Vienne. Vos impressions sur cette course? C'est formidable de pouvoir voir un critérium en comité Dauphiné-Savoie. Et je dire chapeau à la Roudor viennoise. Et je vous demande d'applaudir, mesdames, mesdames et messieurs, Madame Aubert et ses collaborateurs de la Roudor viennoise. Elle est à l'honneur ce soir. Guy de Vienne, Philippe Van Voren, et dixième Manix. Et les batteries TS. TS Batterie, donc, et Agrigel avec nous ce soir. Et avec les coureurs Pelucinois qui auront pour nom Jean-Pierre Laurendon, Jacques Roux, le Breton, le Normand Denis Dubouchet et Jean-Louis Bissarton. Avec ces coureurs pélucinois, nous retrouverons les Romanais Éric Magnien, Jean-Luc Chavanon, Alain Rivet, le champion, tout nouveau champion Dauphiné-Savoie, Christian Cervoni. Il y aura aussi Serge Savelli sur trois hommes, 5 points au premier, 3 points au deuxième, 1 point enfin au troisième. Voilà donc le classement qui aura lieu tous les 5 tours sur la ligne d'arrivée. Bon, des poissons donc tous les 5 tours et je crois que pour l'arrivée, eh bien, ils seront informés à 20 tours de l'arrivée. Un message personnel, on demande à Monsieur Michel Malassonnet de bien vouloir rejoindre le podium ligne d'arrivée. Monsieur, il faut nous rejoindre, c'est l'adjoint au sport et il en fait ce soir, en tout cas il le prouve. Monsieur Guéfier va donner donc le départ de ce critérium et pour ce faire, eh bien, il est obligé d'enjamber une nouvelle fois les barrières. On peut l'applaudir, Monsieur Guéfier. Voilà, on s'excuse, il était tellement bien installé, mais voilà, le départ donné dans quelques instants à ces 40 coureurs. Voilà, les chronomètreurs sont prêts. Le chiffre 5 est installé sur compte tour. C'est dans 5 tours le premier point chaud. Et ainsi tous les 5 tours. On peut faire le décompte. Alors 5, 4, 3, 2, 1. On les applaudit. Les 40 coureurs de ce critérium de Vienne qui s'élance avec aux avant-postes les hommes de la formation Super U sponsor numéro 1. De tenir les 40 points dans ce critérium, mais vous voyez les coureurs de l'équipe ADR et Eddy Plancart dans 4 tours certainement pour l'attribution des points. 5 points pour le premier, 3 au second et 1 point pour le troisième. Ça vaudra pour ça. Bien, parmi les personnalités qui viennent top de tête avec 2 bâtons, ils ont 150 mètres d'avance environ sur un peloton très très étiré, Jean-Claude. Avec le nouveau amateur, là, le groupe qui réagit avec ici un autre belge, le docteur avant le truc des poissons pour lequel le leader des autres se donne bien, les autres de derrière. Voilà les hommes de tête, classement des poissons pour l'instant de Jean-Claude Garde est en première position, il va marquer sur 5 points, ça mérite une ovation à Jean-Claude Garde. Le 7 de Vienne, c'est le centre-ville, au 22 du boulevard de la République.
retraite est aussi, bien entendu, à Villefranche-sur-Saône. Et je sais que ces deux établissements, celui de Villefranche et celui de Vienne, ont le même gérant, le même animateur qui l'a ce soir, bien entendu, avec le coureur de la formation Jacques Cochot. Ah oui, avec Yarki, les machines, le bon proche. Voilà la situation, le classement, et ici on retrouve aux avant-postes Jean-Pierre Laurendon de l'équipe amateur de Bélinin. Jean-Pierre Laurendon, c'est en particulier notre spécialiste de poste, de cyclo-cross dans notre petit divisionnel. Et Jean-Pierre Laurendon trouve, eh bien, Benoît Hardé, qui est également. Des enfants de 0 à 16 ans, la plus pixel à Vienne, c'est dans le centre-ville, au numéro 22 du boulevard de la République. L'équipe qui a fait de Valérie accompagnée du joueur de l'équipe de Chiba, Pascal Poisson. Par Dominique Arnaud, donc le coéquipier favori de Pedro Delgado dans cette formation Reynolds. Eh bien, Dominique Arnaud maintenant emmène ce peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Nous sommes, Jean-Claude, maintenant dans le 57e tour. Jeanne Richard, donc, qui est tout seul devant le peloton avec environ 200 mètres d'avance sur ce peloton. Jeanne Richard, donc, qui est effectivement en point de mire sur ce peloton emmené par Yvan Madiot. Yvan Madiot qui contrôle cette course, bien entendu, il a tout intérêt à le faire, sachant que Pascal Poisson va pouvoir disputer son sprint. Il est tiré fait ici de Thierry Cremera. Ah, Thierry Cremera, on a du mal, j'ai l'impression que Poisson revient sur lui et peut-être aura-t-il attaqué un peu tôt Thierry Clavé. Voilà, c'est vrai que derrière on se rapproche. Toujours avec ce petit groupe, donc, emmené par Van Voren avec Joël Bellier. Van Voren, donc, Joël Bellier, Robert Millard. Je rappelle donc ce petit groupe de 3, alors que le 37 n'est pas dans le coup. Eh bien, ce petit groupe se trouve à 200 mètres derrière les deux hommes de tête, donc, derrière Thierry Claverola et Pascal Poisson. Une ovation à Bernard Richard qui continue tout seul, qui va aller chercher une sixième place. Et le peloton qui se rapproche, messieurs, dernier tour. Voilà Laurence Roche qui prend les commandes du peloton. Laurence Roche de l'équipe Carrera. Laurence Roche, le jeune frère de Stéphane, devient une ovation pour le vainqueur, que ce soit Thierry Claverola ou Pascal Poisson, deux coureurs qui ont été animateur du critérium du Dauphiné libéré. Voici le vainqueur. Vos applaudissements. Ah, c'est le sprint. Ah, c'est Pascal Poisson qui l'emporte. Victoire donc de Pascal Poisson. Vigneroux sur Thierry Claverola. À l'issue d'un sprint absolument étourdissant. Victoire donc de Pascal Poisson sur Thierry Claverola. Le sprint maintenant du peloton qui est lancé avec Van Voren devant Joël Bellier et Robert Millard. Van Voren 3e, Joël Bellier 4e, Robert Millard donc 5e. 5e place prise par le
britannique, le coureur écossais Robin Miller. Maintenant le sprint du peloton à 150 mètres maintenant de la ligne, à 100 mètres maintenant, à 70 mètres. Le peloton qui était emmené ici par Bernard Richard qui remporte le sprint du peloton devant les coéquipiers de Guy Plancart. En tout cas, une splendide aujourd'hui, ce soir, c'est Jean-Claude Garde, le régional de l'Étape, le coureur de Pélissin, Jean-Claude qui va recevoir le prix de l'élégance, c'est la dotation offerte par l'imprimerie de la Tour, et c'est monsieur Mahamir, donc PDG de cette sympathique et valeureuse société viennoise, qui va lui remettre donc ce prix de l'élégance. Je crois qu'en même temps, on peut applaudir à la fois l'imprimerie de la Tour et Jean-Claude Garde. Je crois encore qu'il y a un autre prix qu'il aurait pu recevoir ce soir, c'est le prix de la popularité qui aura l'applaudissement. Je crois que c'est lui qui a gagné et le public de Vienne va encore le prouver. Voilà Jean-Claude. Jean-Claude, quelques doutes suite à cette chute dans l'étape du Dauphiné libéré. Alors où en es-tu? Je sais que tu comptais aujourd'hui sur ce critérium pour te tester un petit peu. Est-ce que tu te ressens encore de cette chute? Disons, au niveau des plaies, c'est bon, c'est juste un petit point sur le côté encore, au niveau des côtes. J'espère d'ici, j'ai dû prendre un petit froid en plus dessus, j'espère d'ici midi libre, c'est grave. Alors, mardi, le midi libre débute lundi pour une semaine qui risque d'être décisive pour Jean-Claude Garde, pour ses futures ambitions. Oui, je dirais que ce sera là que jouera une sélection éventuelle autour de France. Voilà, et bien on te souhaite de réussir un très grand midi libre et pour cela on va encourager en applaudissant encore Jean-Claude Garde. Il réussit un grand midi libre et la place, car je crois qu'il ne reste plus qu'une place dans cette équipe si c'est pour le Tour de France. Tout à fait.